Nova. Parce qu'un bon livre, ouvert à n'importe quelle page, doit pouvoir intriguer, amuser, choquer, attrister, réjouir ou tourmenter son lecteur. Et parce qu'à la page 111 de la pièce de théâtre Rhinocéros d'Eugène Ionesco, on trouve ces deux mots magiques, pourquoi pas. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Richard Guettet. Bienvenue pour cette Nova Book Box exceptionnelle en public et en direct du Café de la Prêche. Ne craignez rien, dit l'une de nos geôlières lorsqu'elle lit sur nos visages la peur de finir nos jours ainsi, à creuser la terre comme des taupes. Vous ne partagerez pas un tel sort? Ceux-là sont des criminels. Ce sont des maris répudiés par leurs femmes, accusés de violences conjugales. Pour connaître aussi qu'on tient là la page la plus résolument féministe de la rentrée littéraire. Voilà. Moi, quand on me vend la série Oz ou Un prophète et que je vois un truc filmé comme un spot de pub EDF, ça a tendance à me déranger. Je crois apercevoir tout de même un type en train de se débattre avec son corps. Il n'a pas l'air frais. Il est beau quand il fait du shadow, mais il tient pas trois rounds. Une danseuse plutôt qu'un boxeur. C'est une lessive qu'on étend cette page, c'est un truc qu'on fait avec un peu de méthode histoire que tout tienne sur le temps Carville. Quelque chose qui est quand même un petit peu chiant et au bout du compte quelque chose qu'on oublie aussi vite et qu'on reproduira à l'identique la semaine suivante. Ça n'a strictement aucun intérêt, soyez sérieux. Mort revenir à lui parce qu'une mouche était entrée dans son oreille. Un doigt dans le cul, ça marche aussi chez les vieux cons, proposa Velka. J'avoue qu'il y a une punchline. N'oublions pas, que la plupart des pages sans ce qu'on lit, faut le savoir, sont quand même très ennuyeuses. Et là, bon, bim, à la troisième ligne, il nous sort ce doigt dans le cul. C'est vrai que ça réveille le lecteur, mais c'est un peu un truc, c'est un peu facile. Ce corpus 2017 abrite une page qui écrase absolument toutes les autres. À tout point de vue, personnage, intensité, concision, puissance poétique, et j'en passe. À tel point que le jury, dans son ensemble, a décidé d'exclure cette page de la sélection. Et cette page hallucinante va vous être lue par une comédienne qui en a les épaules. L'univers. On a perdu l'arme du crime. On ne s'est même pas trouvé en face de la cible. On somnole à l'intérieur d'une benne à ordures, mais au moins, la nuit continue. C'est une page qui parle de défaite. Or, en cette rentrée littéraire, on a deux bouquins qui parlent de défaite. On a le livre d'Hillary Clinton et on a ça. Et franchement, à choisir entre les deux, enfin, moi, c'est très très vite fait. Les hommes, eux, s'étaient avancés vers la dépouille du cochon. Et ouvrant des jerrycans d'eau chaude, on arrosait la bête. On voyait la vapeur monter sur la peau rose qu'à cinq, ils se mirent à frotter. Ils avaient parfois des gestes de massage, de caresse. Julien Blangras, vous aviez promis que si cette page figurait dans la deuxième sélection du prix de la page 11, vous interpréteriez sur une antenne nationale l'une de vos spécialités. Et je l'ai suivi jusqu'à la porte où il m'a escorté avec la placidité désinvestie d'un gardien de musée. J'ai compté, il y a 69 fois la lettre L. Dans cette page, c'est typique. Ça ne peut pas être un hasard. C'est typique du jeune auteur qui fait du zèle. C'est d'une connerie comme argument. Cette émission est commencée depuis maintenant 111 minutes. C'est l'heure H, l'heure J, l'heure PP 111. Le prix de la page 111 est attribué à Mika Birman pour la page 111 de son roman Roi Point aux éditions Anarchassis. Le premier des quatre cadeaux que vous allez recevoir ce soir, c'est-à-dire votre page encadrée. Il n'y a pas un petit nœud? Ah oui, vous avez d'accord, mais en fait, Radio Nova a des problèmes de budget, voilà, comme toutes les entreprises, sombre, et on a dû économiser sur le nœud. Voilà, c'est tout. Enfin, y a pas Mika, une réaction à cette victoire? Oui, absolument. Ouais. Maintenant, depuis quelques années, les auteurs construisent toute leur œuvre autour de la page 111, je suppose. Moi, ce n'est pas mon cas. Et le dernier cadeau, et c'est souvent le plus beau, le public ici présent va vous offrir 111 bisous. J'invite absolument tous les gens du public à venir faire un petit bisou, et vu que vous êtes à peu près 111, c'est ce qui va se passer. Donc, je vous en supplie, venez. C'est compté.